Il était 16h23 lorsque nous sommes arrivés à l'entreprise Energio, située dans les environs de la commune de Kamboinsin, pour rencontrer Nadjagou Lale Yentagim. Spécialisé dans la fourniture de sources d'énergie, il se distingue par la fabrication de groupes électrogènes hybrides fonctionnant à la fois avec le solaire, le gaz et l'essence, ainsi que de groupes électrogènes 100% solaires, tous fabriqués au Burkina Faso et offrant une multitude d'usages. Bon, mon objectif en entreprenant d'abord, c'est de créer de l'emploi et aussi être utile à ma société. Puisque au début de ce projet, on avait plusieurs options. L'option commerciale, de payer et revendre. Mais on a pris l'option de fabriquer, de transformer localement pour essayer de proposer un produit nouveau, c'est-à-dire une valeur ajoutée. Et à partir de là, nous visons à créer beaucoup d'emplois sur le plan industriel. On pourra embaucher plus de 500 personnes qui vont travailler dans le cadre de ce projet de la fabrication de groupes hybrides made in Burkina Faso. Plutôt que de dépendre de générateurs fonctionnant uniquement au gasoil, coûteux et peu pratiques, Nadjagou Lale Yentagime propose une alternative innovante avec des groupes électrogènes hybrides et 100% solaires. Voilà, le projet se nomme Energio. Energio a commencé depuis 2016 et depuis lors, on a eu à travailler beaucoup plus sur la recherche et développement. Et à ce jour, nous avons deux innovations. Il y a le groupe électrogène hybride que nous avons ici, que nous avons travaillé à le rendre beaucoup plus économique. C'est-à-dire que c'est des groupes qui ne consomment pas. Ce groupe est composé du côté solaire et du côté groupe électrogène. Et côté groupe électrogène, le carburant, c'est le gaz et puis l'essence. Et le côté solaire est là pour pouvoir alimenter les maisons sans démarrer le groupe. C'est-à-dire que souvent, on arrive la soirée, on a besoin de la lumière, les ventilos, la télé. Et pour ça, on n'a pas besoin de démarrer le groupe. Parce que quand on démarre le groupe, c'est des dépenses de carburant inutiles. Parce que l'énergie produite par le groupe dépasse au-delà de la demande qu'on souhaite. Et en ce moment, le côté solaire permet d'optimiser ces dépenses-là. En utilisant le côté solaire, du moment où on a besoin de démarrer le climatiseur, les frigos, les appareils qui consomment énormément, en ce temps, on peut démarrer le groupe électrogène. Voilà. Côté solaire, nous avons des groupes électrogènes 100% solaires où les panneaux solaires sont mobiles en fonction de la position du soleil. Voilà. Et il y a un système qui contient les batteries, tout l'onduleur et tout, qui permet maintenant d'alimenter l'électricité dans la maison. Ces groupes électrogènes peuvent atteindre une capacité de plus de 30 kVA selon les besoins des clients et ont une durée de vie de plus de 6 ans.